Bonjour à tous les amis, j'espère que ça va. Vous savez, dans la vie, pour combattre pour une cause, il faut connaître la cause. Pour résister à un ennemi ou à quelqu'un, un ancien ami par exemple, il faut le connaître. Il faut connaître ses points forts, il faut connaître sa puissance, son habileté, sa rapidité, ses aptitudes, sans lesquelles vous êtes voué à la perte. Il faut connaître à quoi on fait face. Dans les sports de combat, on dit, on ne va pas dans le ring pour combattre, espérant gagner. On va dans le ring pour gagner, à travers un combat. C'est-à-dire quand vous allez dans le ring espérant gagner, il y a de fortes chances que vous perdiez. Quand vous allez dans le ring, sachant que vous avez déjà gagné le combat, les enjeux sont complètement différents. Aujourd'hui, on va développer un sujet très intéressant et on a besoin de votre attention. Parce qu'ensemble, on peut renverser la vapeur. Les États-Unis d'Amérique, un beau pays où j'ai passé un excellent moment de ma vie, des moments très forts que je n'oublierai jamais, avec 300 millions d'habitants, héberge 5% d'humains sur Terre. Et avec 5% d'humains sur Terre, héberge 25% des prisonniers sur Terre. 5% d'humains sur Terre, héberge 25% des prisonniers sur Terre. Intéressant, n'est-ce pas? Donc, pour bien comprendre, aux États-Unis d'Amérique, il y a 25% des prisonniers de toute la Terre. Burundais, Rwandais, Camerounais, Italiens, Belges, tout ça vous mélangez. 25% de sont aux États-Unis. Mais la population des États-Unis n'est que 5% de la population mondiale. C'est-à-dire qu'il y a anomalie, n'est-ce pas? On va aller profondément pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe en réalité. Pendant l'esclavage, on a pris beaucoup de personnes pour aller travailler. Travailler les champs, travailler le sucre et le cacao, travailler le coton, faire beaucoup de choses pour générer de l'argent. L'objectif profond de l'esclavage, c'était quoi? Ce n'était pas seulement le contrôle, il s'agissait ici de générer un maximum d'argent. L'esclavage a tout à voir avec l'argent. Ce n'est pas une question de conquête ou d'assujettissement. L'assujettissement vient après la raison principale, qui est le capitalisme, l'argent. Voilà pourquoi à l'époque, celui qui avait le plus d'esclaves était considéré comme le plus riche. N'est-ce pas? Parce qu'il avait un maximum de main-d'œuvre, un maximum d'humains, d'hommes forts, en capacité de réaliser certaines activités. L'esclavage était très lucratif à un groupe de personnes. Juste à la fin de l'esclavage, le gouvernement anglais ou britannique était obligé de rembourser de l'argent au maître d'esclaves anglais pour avoir libéré les esclaves. C'est-à-dire, l'esclavage n'avait pas été aboli au nom de l'amour, mais au nom d'une certaine compensation. Vous me payez mon argent, je libère les esclaves. Ou je libère mes esclaves, vous me payerez progressivement. Cette dette de l'Angleterre vis-à-vis des enfants des maîtres d'esclaves n'avait été finalisée qu'il y a 2 ans. Donc pendant toutes ces années, les Anglais, vous et moi, si vous vivez en Angleterre par exemple, à travers le taxe, payaient ces personnes, ces fils ou ces petits-fils des maîtres d'esclaves. L'un des objectifs principaux de l'esclavage était de générer un maximum d'argent. Un maximum de gains, un maximum de biens à travers des humains pris de force depuis leur terre, négligeant leur situation, bafouant leur terre et leurs ancêtres, neutralisant leur résistance. C'était une forme du capitalisme. L'esclavage était un système capitaliste qui marchait très bien. On générait un maximum d'argent. Ceux qui étaient maîtres étaient riches. Ils n'avaient pas besoin de travailler, pas besoin de faire quoi que ce soit. Comme on le dit, les États-Unis ont été construits, bâtis par les esclaves. Qui libérait ces esclaves au nom de l'amour? C'est très difficile, n'est-ce pas? L'esclavage a donc été aboli pour plusieurs raisons. Il fallait trouver un moyen aussi pour couvrir. Il fallait trouver un moyen pour couvrir ce vide. Il fallait jouer un nouveau moyen. On a importé la colonisation. La colonisation était une continuité de l'esclavage. Comme on l'avait réclamé et qu'ils avaient finalement honte, ils ont fait preuve de honte finalement. Il fallait arrêter la colonisation et continuer un nouveau système générant le même genre d'argent sans être flagrant ou emphatique dans ses œuvres. Maintenant, rentrons à notre histoire de prison. Barack Obama a signé un contrat avec la Chine, un contrat de libre-échange, un contrat permettant les deux pays d'échanger ou d'importer des matériels, d'importer des marchandises à vendre à un prix très réduit, à un taxe très réduit, permettant ainsi une nouvelle ouverture entre les États-Unis et la Chine. Ce contrat de libre-échange était un contrat d'amitié, c'est-à-dire tu peux venir chez moi et vendre ce que tu veux, tu peux venir à un taxe très réduit, tu peux vendre tout ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Ne comprenons pas que cela poserait un problème. Maintenant, qu'est-ce que cela a posé comme problème? Les Chinois, comme ils produisent beaucoup, ont commencé à importer tout et n'importe quoi.
Ils ont commencé à importer même des choses qui sont produites aux États-Unis, mais à un prix réduit. Ils ont importé des jouets, ils ont importé de la métallurgie, ils ont importé des machines, ils ont importé n'importe quoi. Vous connaissez nos frères chinois. Enfin, nos frères chinois. Pendant que les États-Unis est un pays consommateur, la Chine est autosuffisante. Les Chinois, généralement, achètent ce qui est chinois. Hein, c'est vrai que ce qu'on reçoit ici sont des produits chinois de mauvaise qualité, mais pour ceux qui savent, il y a des produits chinois de très bonne qualité qui coûtent cher. Les répercussions évidentes étaient d'abord que la compétition était devenue difficile. Hein, ceux qui vendaient les mêmes histoires entre Chinois et Américains ne pouvaient pas compétir au même niveau parce que le taux de la production américaine devenait beaucoup plus élevé que le taux de la production chinoise. Vous savez, dans le capitalisme, le propriétaire de l'entreprise veut générer un maximum d'argent. C'est ça l'objectif. Quand je vous dis les gens veulent faire un maximum de gains, quelquefois ça peut aller au-delà de la moralité. Comme on veut faire un maximum de gains, qu'est-ce qui se passe? On coupe les coûts, n'est-ce pas? On essaie de dépenser un minimum possible pour gagner un maximum d'argent. On essaie de payer à ses employés un minimum de salaire pour gagner un maximum d'argent. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Comme la main-d'œuvre coûte moins cher en Chine, les entreprises américaines ont commencé à engager des travailleurs chinois. Voilà pourquoi votre iPhone est assemblé ou réuni ou connecté probablement en Chine. Beaucoup d'appareils, des téléviseurs, enfin beaucoup, n'importe quoi, vous le savez, réunis en Chine, vendus aux États-Unis. Finalement, qu'est-ce que ça crée? Les Américains ne peuvent plus demander le salaire adéquat, n'est-ce pas? Un salaire américain et un salaire chinois, ce n'est pas la même chose. Les capitalistes ou entrepreneurs américains préfèrent aller en Chine pour faire leur travail avec des Chinois moins chers au lieu d'engager un Américain compétent pour faire le même travail. Ceci, comme vous l'avez bien imaginé, a créé un déséquilibre évident, profitant seulement les propriétaires. Dans ce cas, le capitalisme est une joie pour les boss, pour les chefs d'entreprise, pour les créateurs, pas pour les employés. Comme certaines personnes n'ont pas de moralité, et là où il n'y a pas de moralité, on peut quelquefois trouver des gens qui en ont. On a essayé de mettre la pression sur ces personnes qui encouragent ce libre-échange qui en réalité déstabilise ou déstabilise le peuple américain. Donc quand Tito, comme on a parlé de Tito pour ceux qui connaissent la vidéo, se bat contre la Chine, ce n'est pas parce qu'il est belliqueux, c'est parce qu'il veut rendre le pouvoir aux États-Unis, permettre aux citoyens américains de gagner un salaire adéquat à la hauteur de leurs compétences. Et pas seulement les propriétaires, les boss, les capitalistes. Crony capitalisme. Alternativement, qu'est-ce qu'il fallait faire? Alternativement, on peut faire autre chose. Vous savez, en prison, aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe? En prison, vous avez un choix. Soit vous restez à ne rien faire. Pour votre sentence de 20 ans, vous ferez 20 ans. Et ensuite, peut-être sortir, espérant trouver votre femme. Si Luc de la maison à côté ne l'a pas prise. Ou vous pouvez commencer à travailler à un prix moins cher, peut-être 2 dollars par jour, espérant avoir son sentence réduite. Donc la plupart des prisonniers américains préfèrent travailler au lieu de faire 20 ans de prison, fassent 12 ans, mais gagnent 2 à 4 dollars et demi par jour. Sommes-nous ensemble, mes frères? Restons ensemble, s'il vous plaît. Il faut connaître la vérité. La vérité affranchit. La vérité fait mal, mais elle libère. Maintenant, évidemment, au lieu de faire 20 ans de prison, les prisonniers préfèrent travailler, espérant réduire leur sentence. Maintenant, ils travaillent pour qui? Ils travaillent pour Walmart, pour Nestlé, pour PepsiCo, JBS, pour Hatchers, March, Danone, Olam International et la liste continue. Une vingtaine de grandes entreprises que beaucoup parmi vous connaissez se servent des prisonniers pour faire de l'argent. Au lieu de payer l'argent aux fermiers locaux américains, à un prix adéquat, au lieu de payer de l'argent aux gens qui sont aptes, qui sont libres, ils préfèrent abuser des prisonniers pour faire un maximum de gains. Maintenant, vous dites-moi, dans une société pareille, est-ce que vous voulez qu'il n'y ait plus de prisonniers? Si vous pouvez faire des milliards de dollars à travers un labeur très minime, parce que la Chine, on critique la Chine. On peut faire ça aux États-Unis, mais on peut aller en prison, se servir de tous ces jeunes hommes, tous ces jeunes gens dont l'avenir a été détruit pour qu'ils produisent en masse de l'argent et la capacité. Vous pensez que dans une telle société, on voudrait qu'il n'y ait plus de prisonniers? Ou qu'on vous jugerait conformément à ce que la loi dit, si on peut générer un maximum d'argent? Continuons notre histoire. Comme vous l'avez certainement compris, si vous m'avez suivi depuis le début, la prison aux États-Unis est un business. Ce n'est pas une affaire de loi ou de droit, pas nécessairement. C'est une affaire de génération d'argent.
de production à moins cher. Les États-Unis d'Amérique à 5% d'humains sur Terre. Les États-Unis d'Amérique à 25% des prisonniers sur Terre. Contrairement aux pays comme la Suède, qui fait tout ce qu'il peut pour essayer de libérer les prisonniers, c'est-à-dire rétablir, réhabiliter tous ceux qui ont été prisonniers dans la société. Aux États-Unis, c'est tout le contraire. On a besoin des prisonniers pour avoir un business. Et quand ces capitalistes amoureux de l'argent ont compris qu'ils pouvaient faire un maximum d'argent à travers la prison, ils ont créé ce qu'ils appellent « War on Drugs », c'est-à-dire la guerre contre la drogue. Évidemment, vous savez, ça n'avait jamais été juste. Quelquefois, on vous arrête, on plante des trucs dans la voiture, on vous emmène en prison. Sans procès, vous attendez pendant un an ou deux avant d'être incarcéré pendant 20 ans. Ou pour du cannabis. On vous balance en prison pendant 10 ans ou 30 ans. Il y a beaucoup qui vivent ces situations aujourd'hui aux États-Unis. Les résultats finaux, d'après les statistiques, est qu'un noir américain sur trois passera un moment en prison de toute sa vie. Un homme sur trois. Comparé à 1 sur 90 chez la race caucasienne. Intéressant. Comme il a été prouvé statistiquement que la population noire et blanche se servent identiquement des narcos et des drogues, la population noire, par contre, a trois fois plus de chances d'être arrêtée, d'être incarcérée ou d'être démis de leurs fonctions. C'est-à-dire, même après avoir été acquittée, être démis de ses fonctions au boulot. Les États-Unis ont en ce moment plus de 130 000 adolescents en prison qui n'ont pas encore été condamnés en attente. Dont la majorité noire. Mais en attendant, les grandes entreprises font de l'argent. Ce qui est intéressant ici, c'est quoi? C'est que les grandes entreprises ont aussi ouvert des prisons. Les grandes entreprises de production ont aussi ouvert des prisons. Ça vous dit quelque chose. Donc, l'entreprise de production de nourriture a ouvert sa propre prison au nom du capitalisme. Et pour ne pas ouvrir l'entreprise ouvertement, parce que ça risque d'être flagrant, vous voyez, les grandes entreprises ont financé des individuels qui sont devenus des shareholders dans des prisons privées. Donc, un shareholder d'une telle entreprise avec son nom privé devient un gros shareholder dans une prison privée. Donc l'objectif ici, c'est au lieu de payer de l'argent à un fermier normal, payer un montant adéquat, on préfère investir dans les prisons pour faire travailler des prisonniers à un prix dérisoire. Des prisonniers qui sont majoritairement... Merci. En 2010, l'American Civil Liberty Union dit que les deux plus grandes prisons privées ont reçu chacun 3 milliards de dollars du gouvernement. Donc d'après le gouvernement, ils ne peuvent pas manager les prisons, ils n'ont pas de temps pour ça. Ils vont financer des privés pour manager les prisons, pour construire et gérer les prisonniers. Les prisons privées aux États-Unis n'existaient pas avant les années 80. Et dans les années 90, le gouvernement a dit qu'ils avaient besoin de solutions pour la surpopulation des prisons. Et pour ça, ils ont déclaré qu'ils n'avaient pas assez de temps pour gérer ça. Donc, ils avaient besoin des prisons privées pour s'y investir. Investissant ainsi beaucoup d'argent après avoir fait du lobbying dans chaque prison privée. Et de 1990 à 2009, la population incarcérée s'est accrue de 1600%. Donc avant 90, quand il n'existait pas de prison privée, la population était quelque part là. Après 90, il y a maintenant croissance de 1600%, s'il vous plaît. Parce que chaque tête paye. Mais le gouvernement paye pour chaque tête. Chaque prisonnier. La CCA et la Geo Group Inc., qui sont les deux plus grandes prisons privées aux États-Unis, ont dit à leurs shareholders, c'est-à-dire leurs investisseurs, leurs bailleurs de fonds, que la décriminalisation de certains éléments est un coup fort sur leur business. C'est en anglais. Donc la décriminalisation de certains éléments est en train de tuer le business. Parce qu'on avait décriminalisé certains trucs, tels que dans certains États et tout ça. Donc cette décriminalisation est en train de tuer les business pour eux. Ah oui, il y a des investisseurs en prison privée. Les gens qui sortent leur argent pour générer un maximum d'argent, ils misent sur les gens qui vont en prison. C'est ça le beau capitalisme. Et pour contrer cela, le fait de décriminaliser beaucoup de choses, ils ont commencé une campagne de lobbying. Pour ceux qui ne connaissent pas le lobbying, c'est quand certaines entreprises vont voir des politiciens, leur donnant des millions de dollars pour qu'ils votent de lois qui les arrangent, les lois qui permettent à ce que leurs produits soient... Vous voyez un peu? C'est ça le lobbying. Le lobbying, c'est simplement une autre forme, une forme propre de corruption. C'est une forme propre de dire corruption. On va donner de l'argent à monsieur tel, le gouverneur ou monsieur le juge, pour qu'il permette à ce que notre entreprise persiste, malgré que, voilà... Ah, on sait par exemple que la cigarette tue, n'est-ce pas? N'est-ce pas?
La cigarette tue beaucoup plus de gens que l'histoire là qu'on nous dit là, chaque année. Mais pourquoi ne pas criminaliser? À cause du lobbying. On paye les juges, on paye ceux qui font la loi pour permettre à ce que ces produits soient vendus. Et d'après une analyse effectuée par Associated Press, la CCA et Geolink Group ont dépensé 45 millions de dollars en lobbying de l'État, en lobbying du gouvernement fédéral, en lobbying des juges, des avocats pour vous garder en prison. Et un rapport de 2013 de Public Resource Center nous dit que certaines entreprises ont signé un contrat de 90 à 100% avec les États. 90% d'usage des chambres. C'est-à-dire, il doit y avoir au moins 90% d'incarcérés dans une prison pour que le contrat soit valide. Donc, s'il n'y a pas 90% d'accusés en attente, l'État doit soit payer pour les lits vides ou chercher d'autres personnes pour qu'ils soient incarcérés. Ça, c'est simplement pour nous montrer combien nous ne vivons pas dans un beau monde. Ce n'est pas vrai. Les gens sont corrompus, injustes, mauvais, amoureux de l'argent, et c'est tout ce qui importe. Voilà pourquoi je vous dis très souvent que la vie, ce n'est pas seulement l'argent. Il y a beaucoup de choses beaucoup plus importantes. Dans les années 60, on a voté une loi pour permettre la facilité aux familles noires. On en a déjà parlé dans le passé. Une assurance pour les jeunes filles qui tombent enceintes sans papa. Et recevant ainsi du gouvernement des fonds, de l'argent et des avantages. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ça a créé cette mentalité où la plupart des femmes, si vous regardez aux États-Unis de 1960 à 2020, en 60, il y avait des familles où il y avait papa, maman et les enfants. En 2020, la plupart des femmes noires américaines ont des enfants sans papa. 4 ou 5 enfants, papa différent chacun. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent de l'argent venant du gouvernement. Et ces enfants grandissent, comme l'a prouvé même Barack Obama, qui n'est pas nécessairement un héros pour moi, que la plupart de jeunes afro-américains vont en prison parce qu'ils n'ont jamais eu de male figure, ils n'ont jamais eu de représentation masculine à la maison. Il n'y a jamais eu de papa ou d'une personne pour diriger, pour montrer voilà comment il faut faire, voilà comment il faut se comporter, voilà comment il faut se tenir. Un noir américain sur 3 passe un moment en prison de toute sa vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent à travers ça. Ça, c'est un autre niveau de... Pensez à l'esclavage. Pourquoi on a pris des esclaves? C'était pour générer de l'argent à travers l'alcool, le sucre, le cacao et le reste, le coton. Aujourd'hui, c'est la même chose. On se sert de la prison, une prison censée être la propriété de l'État, gérée par l'État, et gérée par des privés, des particuliers. Il y a des gens qui achètent des stocks, qui achètent de, comment on appelle stock en français, des parts du marché de la prison. Et vous pensez que ces personnes veulent que ces gens quittent la prison? Pendant que la Suède et la Hollande travaillent dur pour essayer de libérer, la Suède a fermé des prisons, je crois 4 prisons. Après avoir réhabilité les incarcérés. Encore une fois, nous sommes en train de vivre l'esclavage moderne. La colonisation n'est pas finie. On a voulu passer une loi, on est en train de faire du lobbying pour cette loi, pour criminaliser tous les immigrants. Ça sera dur à passer, mais voilà. Criminaliser les immigrants veut dire quand on vous arrête, ça ne sera plus question de détention provisoire. C'est-à-dire on vous détient, on vous condamne 5 ans de prison par exemple. Si on vous condamne 5 ans de prison, il vous faudra faire un choix de rester à 35 ans ou de travailler pour Walmart. Faire des bananes ou des céleri, des tomates, pendant qu'ils s'enrichissent. Nous sommes le produit. Ne voyez-vous pas? Nous sommes le produit. Aux États-Unis, on ne ferme pas les prisons. Prenez cette matière et convertissez ça dans toutes les histoires. On ne fait pas confiance seulement parce qu'il faut faire confiance. Parce que c'est une personne en smoking qui a parlé. Absolument pas. Vous voulez comprendre où on va, il faut voir d'où on vient. L'homme n'échange pas. Il devient de plus en plus lui-même. Est-ce que c'est moi qui suis en train d'inventer ça? Non. Je ne mettrai malheureusement pas des liens, sinon je serai censuré. Jetez un coup d'œil. Et après que certaines organisations indépendantes aient tiré la sonnette d'alarme, on a arrêté un certain Marc Chiavarella, un juge, s'il vous plaît. Un juge qui était censé recevoir 3 millions de dollars pour condamner les jeunes. On les envoyait en prison. Il envoyait beaucoup de jeunes, beaucoup d'adolescents en prison pour des crimes tels que insulter le principal ou comment vous appelez le directeur d'école sur MySpace, s'il vous plaît. Des crimes vraiment stupides. Et on l'a arrêté parce qu'on a pu confirmer que monsieur avait reçu 3 millions de dollars d'une prison privée pour envoyer les enfants en prison. Marc Chiavalera, 10 ans de prison, je crois. C'est bien triste. L'autre fois, je vous disais... La dame qui accompagne Bobo a envoyé le plus de noirs possible en prison, plus que n'importe qui. Personne n'a envoyé des noirs en prison, comme cette dame. Vous pensez qu'elle a fait pourquoi? Il faut comprendre le monde dans lequel on vit.
Dans cette situation, la pire des choses que l'on puisse faire, c'est de devenir émotif ou développer un attachement émotif par rapport à un groupe de personnes. Nous devons regarder la vie telle qu'elle est. Il faut aller doucement et profondément. Quand vous voyez quelque chose, ce n'est peut-être pas la réalité, ce n'est que le reflet ou une réflexion de ce qui est beaucoup plus profond. Nous sommes en guerre, mes frères. Nous sommes en guerre. Est-ce que vous pensez qu'un médecin corrompu voudrait que vous soyez guéri? Vous êtes son business? Est-ce que vous pensez qu'un vendeur d'armes voudrait qu'il y ait la paix? La guerre, c'est son business. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'on devrait interdire. Il ne devrait pas y avoir de capitalisme dans la guerre, pas de capitalisme dans les médicaments. Nous allons droit vers un mur, à 100 à l'heure. Ouvrez les yeux. Le message est là, le message est clair. Vous pouvez vérifier ça sur Internet. Je ne mettrai pas des liens. Faites vos propres recherches. Faites vos recherches. Si vous trouvez un truc, comme je dis très souvent, allez taper sur Internet, voyez, allez jeter un coup d'œil. Si vous ne voyez pas sur Google, il faut essayer... comment on appelle ça? Si vous connaissez, écrivez ça. Parce que Google cache des choses quelquefois. Allez sur Internet, téléchargez DuckDuckGo. Duck comme canard. DuckDuckGo. C'est l'équivalent de Google. Mais on vous dit plus de vérité là-bas. Parce que celui-ci cache de la vérité. C'est aussi simple que ça. DuckDuckGo. Si vous cherchez un truc qui semble bizarre, un truc que vous ne comprenez pas tout à fait, un truc que vous n'avez pas vraiment des réponses, regardez à DuckDuckGo. La maman qui a voulu être président à la place d'Obama, vous la connaissez. Si vous tapez sur Google, Google ne vous montre pas ses crimes. Hein? Si vous tapez sur DuckDuckGo, DuckDuckGo vous raconte tout ce qu'elle a foutu. Merci infiniment. J'espère qu'on a compris quelque chose aujourd'hui. Laissez un commentaire. La lutte est dure, le combat est dur. Mais ensemble, avec la connaissance, nous pouvons. Il y a beaucoup de résistance à faire. Mon nom est Zach Mukasa, le guerrier noir. Votre frère.